Lève-toi! Bienvenue dans le bulletin d'actualité de Football 360. La nouvelle du jour, le recordman de but des Super Strikers est de retour à l'entraînement après son terrible... Impec. Je suis fin prêt. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. Super Strikers! Shakes! Shakes! Ah, Shakes, amigo! Si tu savais comme on est content de retrouver notre attaquant star, mon pote! Mais El Matador n'était parti nulle part! Merci, les gars. Je suis impatient de remarquer des buts. Ça fait bien trop longtemps. T'es au courant de qui on affronte la prochaine fois, non? Bon, tu n'as pas à t'inquiéter de risquer d'être blessé à nouveau, Shakes. Je te présente le tout dernier équipement de sécurité pour joueurs de foot. Un airbag pour tibia. J'aurais besoin de quelqu'un pour me frapper. Moi. Je vais le faire, Klaus. Tu vois, je suis un véritable ninja. Aïe. Vous avez prévu quoi pour moi, coach? Nous devons tester ta capacité à jouer avant de te faire rejoindre l'équipe première. Test d'aptitude au jeu engagé. Vous êtes sûr de ne pas être un peu trop dur avec Shakes pour l'instant, coach? S'il ne peut pas supporter ça, il n'y a aucune chance qu'il puisse résister au Iron Tank. Taux d'aptitude au jeu, 25%. 50%. 75%. C'est là que nous allons savoir. Shakes, regarde derrière toi, mec. Test d'aptitude au jeu, abandonné. T'es pas encore prêt, mec. Sa blessure physique est guérie. Mais la cicatrice émotionnelle demeure. Vous vous moquez de moi, là, coach? Vous croyez sérieusement que je vais rester là, assis à regarder pendant que les gars affrontent les Iron Tank? Bien sûr que non. J'ai une importante mission personnelle à te confier. Super Strikers, nous vous écrivons dans un moment de profond désespoir. Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider. Pour l'inauguration de notre galerie marchande? Il n'est pas nécessaire que ce soit pour une galerie marchande. Une avant-première, un parc d'attractions, une maison de retraite, tu peux choisir. J'ai pas envie d'aller faire le guignol dans un de ces événements. Je veux affronter Hubert. Tu n'es pas encore prêt. Choisis l'événement que tu souhaites. Va où tu veux dans le monde. Mais déconnecte ton esprit des Iron Tank. Thor, von Ey, combien de fois faudra-t-il que ce footiste ne pas jouer au jeu vidéo au lieu de regarder l'écran radar? Compris, chef! Pardon, chef! Retournez travailler, espèce de feignant!
Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Les Uber Drivers ont parti pour venir au Fortress Stadium. Mais Shake vole en direction de la Chine. Voilà qui est suspect. Tiens-moi informé de chacun de ses mouvements. Eh ben, c'est mieux qu'un centre commercial. Shakes! Shakes! Bienvenue au Palace de l'Empereur Jaune. Siège officiel du Muséum d'Histoire Footballistique. Merci. Pardon. C'était en mode guide touristique, question d'habitude. Je suis Xing! Venez, laissez-moi vous faire visiter. Le muséum traite du football au travers l'histoire. Ici, il s'agit d'une représentation du foot du 16e siècle en Angleterre. Nombre de joueurs illimité. Aucune règle. Les Invincible United ont choisi le mauvais siècle pour jouer. Le sport de la Grèce antique, appelé épiskéros, se rapprochait du foot moderne, à une différence près. Les joueurs pouvaient utiliser leurs mains. Ouais, et ils ne portaient pas non plus de vêtements. Tout est vraiment impressionnant, mais pourquoi avez-vous besoin de moi? Eh bien, vous serez l'invité d'honneur lors de l'inauguration de notre nouvelle exposition. C'est vous qui allez couper le ruban. Ça fait partie du service quand vous appelez star du football à louer. Et sinon, je peux jeter un coup d'œil? Je regrette. Personne n'est autorisé à voir l'exposition avant le vernissage officiel. Mais je suppose que je peux faire une exception pour Shex. Des super strikers. Waouh, c'est quoi ça? C'est le plus vieil ancêtre du football connu. Le Kujou. Les joueurs devaient garder le contrôle de la balle tandis qu'ils se défendaient contre les attaques de kung-fu démentielles. Cette tapisserie raconte la légende d'un jeune garçon qui vint à bout à lui seul d'une armée entière de soldats. Waouh, c'est carrément cool. Vous n'avez encore rien vu? Venez! Bienvenue dans l'enceinte d'entraînement de l'Empereur Jaune. Wow. Le Kujou était en quelque sorte la Super League de la Chine antique et l'Empereur souhaitait s'assurer que son équipe était la meilleure. Aussi a-t-il fait construire cet endroit. Ça pourrait ressembler à coach. Je peux vous montrer quelques techniques de Kujou si vous voulez. À utiliser face à Hubert s'il cherche à vous blesser à nouveau. Merci, mais bon, coach m'a débarqué du match contre les Iron Tank. C'est pas vrai! Si, il pense que je ne suis pas prêt à affronter Hubert. Alors, quelle meilleure façon de prouver que vous l'êtes que de recourir à des techniques de Kujou? Le prenez pas mal, mais si je devais aller affronter les Iron Tank, j'aurais besoin d'apprendre auprès d'un maître, vous voyez? Avec une longue barbe, des vêtements amples, qui ne parlent que par des énigmes. Vous voulez un mettre en Kujou? Vous en avez un devant vous. Faites-moi votre rapport. Thor est sur le point de battre le record absolu. Je parle pas du jeu. Jakes! Jeff! Jakes de Drouve Zoo, le muséum d'histoire footballistique. Je savais qu'il préparait quelque chose. Iron Tank. Préparez-vous à plonger. Parfait, alors. Montre-moi ces techniques de Kujou, grand maître. Regardez autour de vous, Shex. Tout ce que vous avez besoin d'apprendre se trouve là. Wow. Mais qu'est-ce que vous faites? Allons! Entrez dans le rythme! Si vous ne pouvez m'esquiver, comment esquiverez-vous toute une équipe de brutes épaisses? Venir.
Iron Tank? Je présume qu'ils ne sont pas venus pour visiter le musée. Désolé, Jakes. L'entraînement est terminé. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me posais la même question à ton sujet, Jakes. Mais maintenant, je sais ce que tu mijotes. Tu prévois d'utiliser le football de combat contre nous. Écoute, Hubert, tu voudrais pas me lâcher 5 minutes? Je ne jouerai même pas contre vous. Le coach m'a débarqué de l'équipe. Ah, bien sûr. Tu n'en popineras pas un expert en stratégie comme moi. Je connais le moindre de tes gestes avant que tu les fasses. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là, on dirait, monsieur l'expert en stratégie. Attrapez-la. C'est de nous qu'elle va apprendre le coujou. Hey, posez-moi tout de suite. Je vous parle, la morse. Laisse-la en dehors de ça. Sinon, quoi? Je me disais aussi. Coach avait raison. Je ne suis pas encore prêt. Un jeune garçon qui vint à bout à lui seul d'une armée entière de soldats. Plus vite, plus vite! Les Iron Tank vont tout faire pour casser votre rythme et torpiller votre confiance. Ah, coach! C'est pas la seule chose qu'ils vont essayer de casser et torpiller! C'est pour cette raison que vous devez trouver la cadence. S'ils ne peuvent pas vous rattraper, ils ne pourront rien vous faire. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour ça maintenant, coach! J'ai une toute nouvelle invention pour notre sécurité! Le spray ultra dérapant! Qui veut me frapper? Oh, ça recommence! Oh! Wow! On te doit clairement des excuses, Klaus, mec. Ça marche vraiment. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Très bien. Récréation terminée. Va falloir encore se creuser la tête. Donnez-nous les secrets du football des combats antiques, ou vous allez faire une petite baignade dans l'eau glacée. D'accord, d'accord. Fermez les yeux et vous aurez la révélation. Ça n'a absolument pas le moindre sens. Le Kujou est un sport très ancien, chargé d'une foule de mystères. Ça n'a donc pas besoin d'avoir de sens. Ok. Ah! Ouf! Pourquoi je vous aiderais? Vous avez essayé de détruire la carrière de Shex. Détruire sa carrière? Ah, pitié. Un expert en stratégie n'utiliserait jamais une tactique aussi cruelle. Le tacle sur Shex n'était qu'une manière de lui implanter un traceur électronique. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé? Minute. Si Hubert m'a implanté un traceur dans la jambe, ça veut dire... Bienvenue pour un nouveau direct époustouflant depuis le Fortress Stadium. Malheureusement pour les supporters des Strikers, bien qu'on pensait le voir de retour sur le terrain après sa blessure, Shakes ne fait pas partie de la sélection. Messieurs, vous devez absolument veiller sur vos arrières sur le terrain. On ne peut pas se permettre de subir d'autres blessures. Nous avons déjà un joueur de moins. Moi, j'en compte 2, coach. C'est vrai, où est Klaus? Tiger a entièrement raison. Je vous présente ma toute dernière invention pour notre sécurité. Cette super armure. Tu te cachais, n'est-ce pas? La seule façon de ne pas être blessé par les Iron Tank, je crois que c'est encore d'éviter de jouer contre eux.
Pensez-vous que ce match sera moins physique que leur précédente rencontre, Mac? J'en doute très sérieusement, Brenda. Et apparemment, les Super Strikers partagent eux aussi mon opinion. Ils s'efforcent de se tenir à distance des tanks. Et ça semble fonctionner. Les Super Strikers ont une occasion qui s'offre à eux. Mais El Matador est à terre. S'il n'est pas en train de pavoiser, c'est qu'il doit avoir sacrément mal. Oui, le match vient à peine de démarrer. Les hommes en rouge ont déjà deux attaquants de moins. Klaus, hein? Tâche d'assurer. D'accord, coach. Plus vite! À présent, c'est les Iron Tech qui passent à l'offensive et foncent droit sur le goal des Strikers. Pour l'instant, les Strikers sortent indemnes de cette tentative. Wow! J'ai parlé un peu trop vite! Tacle raté! La balle fonce droit sur le gardien! Qui l'arrête! Ou pas! Bite! Les Iron Tanks sont en train de clairement revenir dans le match! Et avec Shakes et El Matador en moins! Coach a intérêt à avoir un as dans sa manche pour remporter ce match! Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, Shakes! Au cas où vous n'auriez pas remarqué, nous sommes enfermés dans une cellule. Allons! C'est un détail pour Shakes des Super Strikers. Non? Je vous disais que le coach aurait besoin d'un as dans sa manche, mais je crois qu'un 10 devrait suffire. Oh, génial! Shakes, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis entraîné dans un vieux temple, j'ai fait un stop involontaire dans le sous-marin des tanks, classique. Je t'avais spécifiquement demandé de déconnecter ton esprit des Iron Tanks. Mais c'est assez compliqué quand ils vous traquent à l'autre bout du monde. Je vous présente Xing. Elle m'a enseigné une technique de football très ancienne. Un excellent moyen Combien de fois faudra-t-il te le dire, Shakes? Ce n'est pas une question de technique. Maintenant, assieds-toi. Tu ne joueras pas. Eh bien, il est super flippant. Ne m'en parle même pas. Allez, Klaus. Tu peux y arriver. Allez, Lanky. Fais ce que tu pourras, Rizzo. Ne m'oblige pas à te le redire, Shakes. Je sais, je ne suis pas encore prêt. Mais quel autre choix est-ce qu'on a? Au départ, Shakes ne figurait pas dans la sélection, puis le voilà sur le banc. Et à présent, sur le terrain... Espérons qu'il tiendra plus longtemps que ses coéquipiers. On dirait que Shakes a plus de ressources qu'on le pensait, chef. Ne t'en fais pas. Il a trop peur de m'avoir face à lui. Déjà 80 minutes de jeu et le score est toujours aussi serré. Mais les Super Strikers ont encore pas mal d'énergie sous le pied. Et c'est la première véritable tentative de Shakes. Pourra-t-il faire la différence? Ou bien, les Iron Tanks le mettront-ils à terre une fois de plus? Voyons un peu comment le couche fonctionne au 21e siècle. Shakes nous offre là une parade absolument incroyable. Allez, Shakes! Mais d'où peut-il bien nous sortir ces techniques inédites? Shakes, tu y es presque. Rappelle-toi de la légende du Kujou. Il est l'heure de finir le boulot. C'est absolument incroyable!
marquer ce but. Mais quelle épopée! Quelle magnifique victoire! Quel match exceptionnel! On a plutôt fait du joli boulot, non? Oui, en effet. Je n'arrive pas à croire qu'un aussi petit bidule ait pu causer autant de problèmes. Bon, et on attend quoi là, au juste? Écrasons cette saleté! Non, j'ai une bien meilleure idée. C'est la pire mission de ma vie. Arrête de te plaindre. Ça en vaudra vraiment la peine quand nous découvrirons en quoi consiste le nouvel entraînement secret de Shakes. Bon, aïe, est-ce qu'on est encore loin? Zébarla! Cher Hubert, je parie que tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Shakes! Strikers! Super! Strikers!